Vous n'avez jamais vu des gens qui ne sont jamais partis voir les féticheurs ni les marabouts, mais qui sont élevés. Athéa qui sont à la tête et jamais à la queue, je te dis, c'est lui seul qui peut faire ça. De quoi tu me parles? Hey! Je vais parler un peu dans le jargon ivoirien de quoi on parle ici. Athéa le debout des debout, c'est lui, oh, ah, oh. Il est le veuve, le veuve, le veuve, le veuve. Ah, ah, il est élevé au-dessus de tous les noms. On te dit c'est lui seul qui peut regarder l'aveugle. Elle lui dit, l'aveugle, ouvre tes yeux, Abby, faut voir clair parce que mon père m'a donné la capacité de le faire. De quoi on parle ici? Tu veux t'arrêter devant moi pour dire que le Dieu que moi je sais, le Dieu que mon père, ma mère sait, ce n'est pas un vrai Dieu. Athéa, je t'arrête. Si tu veux, faut m'amputer tous les membres de mon corps. Je dis que c'est le debout des debout. De la manière je dis dans toutes mes chansons, le debout des debout, oh, ta paix. Merci bébé, glorifions le nom de notre Dieu, il le mérite, il le mérite, il le mérite. Chaque jour en toutes circonstances, tant qu'on a la voix, tant qu'on a le souffle de vie, quand il nous donne, on doit le glorifier. Je vais gâter, hein, c'est comme ça que je fais toujours. Oh, I love you Shiloh, I love you daddy, I love you. Ah, et donc la fois prochaine, je veux arrêter la chanson qui est Nkwa Moa. Maman, à te capoter, je n'arrive pas à lui dire, coupe la chanson. Je parle de mon Yeshua, de mon Yeshua. Je parle de mon Yeshua. Ah, mille bénédictions, je sais que. Donc, c'est bouclé, clair. Momo, tu as lu ici, c'est bouclé. C'est comme son père. C'est ce qu'il dit, Yotia. C'est Dina, viens la cacher, il n'y a pas mon mouvement. Moi, mon téléphone, c'est moi et mon poids. Et qu'il dit, c'est mon poids. Mais moi, c'est fini ma vie. Mon téléphone, là. Elle a ça. Bon, elle m'a même plus à voir ça parce qu'elle sait qu'il n'y a rien à faire. Après, il faut vivre tranquille. Mais il n'y a rien dedans. Après, un jour, si toi, la fille qui a écrit là, elle va te répondre. Elle va te répondre. Elle a mon téléphone en train de jouer au jeu. Et puis elle voit, coucou, bonjour, même simplement bonjour. Elle dit oui, bonjour, t'es qui? Ah, tu me connais bien? Non, je voulais, mais c'était juste ton bonjour. Bon, d'accord, c'est sa femme qui a le téléphone. Hein. Il est à côté ou bien en train de faire sa touche. Il y a un moment, tu veux qu'elle lui dise quoi? Ou tu vas voir la fille tout de suite. Et puis elle ne revient plus. La femme a besoin qu'on la rassure. La femme a besoin de ça. Il dit, je connais des mousseaux là, qu'elle rentre dans la relation là. Elle est partie pour 20 ans. Il n'est pas même soin concentré sur la relation. Elles font dans la relation là, même bonjour de quelqu'un, elles, même invitation de quelqu'un, ne sont pas allées. Mais pendant ces 8 ans, le garçon il a traîné, il a trompé, il a trompé. C'est difficile. C'est, on le dit, mais on pense que. Je ne touche pas mon téléphone, je ne touche pas le tien, non plus tien. Non, l'empereur, tu ne peux pas vivre une relation comme ça. C'est ce qu'il dit ça là, ce n'est pas une relation, frère. Après, tu es dans la relation avec ton mousseau. Et puis, personne ne touche le téléphone de son ami. Non. Je vous dis que tous ceux qui sont dans ça ne sont pas dans la relation. C'est faux. Eh, il y a un problème. Mais moi, mon mousseau, c'est mon. Mais c'est notre vie. On vit. Mais pourquoi je ne peux pas toucher le téléphone de ma femme? Pourquoi elle ne touche pas mon téléphone? Mais le seul truc.